Le 29 octobre, la DGA a fait savoir qu'elle avait contacté les industriels pour le remplacement des systèmes de drones tactiques intérimaires de l'armée de terre. Pas d'appel d'offres à proprement parler, mais une compétition bien réelle pour laquelle concourent, sans surprise, Airbus, Sagem et Thales. L'armée a aujourd'hui besoin d'un nouveau système de drones capable d'effectuer des missions de renseignement et de surveillance. L'actuel SDTI, le Spareware de Sagem, arrivant au bout de ses compétences. Le Watchkeeper basé sur l'Hermes 450 de l'israélien Elbit Systems est en service depuis 2013 en Grande-Bretagne. Il a été commandé à 54 exemplaires par l'armée de terre britannique qu'il a récemment déployé en Afghanistan. Pour Pierrick Leray, ce partenariat franco-britannique serait un véritable point fort pour l'armée de terre française qui pourrait ainsi bénéficier de l'expérience de son homologue. Aujourd'hui, un programme Watchkeeper a certes un coût d'acquisition, mais également un coût de mise en œuvre. Et la France peut bénéficier de tous les investissements du Royaume-Uni en matière de recherche et développement. Dans ce programme-là, il y a à peu près 600 millions de livres dont la France peut bénéficier. Et ensuite, nous avons prouvé que ce drone pouvait être déployé à des coûts particulièrement intéressants, encore plus s'il y a des synergies entre le Royaume-Uni et la France, qui peut partager ses pièces de rechange, qui peut partager l'entraînement de ses soldats, qui peut partager tout un tas d'infrastructures. Si le Watchkeeper résulte d'un appel d'offres britannique, Thales n'oublie pas de s'adresser à la France en répondant et adaptant son offre à celui de l'armée de terre française. Nous avons constitué autour de nous ce que nous avons appelé l'équipe France Watchkeeper, avec pratiquement 30 PME aujourd'hui françaises. Et donc nous travaillons, nous avons augmenté la compétitivité de notre offre et augmenté la part française de notre offre en prévision de ce programme français. Une première évaluation du drone tactique a été réalisée par l'armée de terre. Résultat, un bilan en demi-teinte où 15 défauts de jeunesse ont été évoqués par la DGA. Aujourd'hui, l'équipementier assure qu'ils ont tous été réglés. Mais alors, quels sont les points forts du Watchkeeper ? Petit tour d'horizon de ses différentes capacités. Le drone tactique Watchkeeper est un drone qui, au décollage, peut faire jusqu'à 500 kg. Il peut embarquer jusqu'à 150 kg de charge utile. Il a un plafond qui est autour de 16 000 pieds, environ 5 000 mètres. Il embarque deux charges utiles principales, qui peuvent varier, mais donc les charges basiques, c'est une caméra avec des capacités infrarouges, et un radar avec des capacités GMTI, c'est-à-dire de suivi de véhicules et de personnes, et un mode SAR, c'est-à-dire de l'imagerie radar. Il a bien sûr dans la partie caméra, qu'on appelle plus largement électro-optique, un désignateur laser. Donc avec la combinaison des deux charges, il est capable par tout temps de localiser très précisément une cible et de la désigner. Ne reste plus à la DGA qu'à faire part de son cahier des charges qui devrait être remis d'ici la fin du mois aux équipementiers. Ceux-ci auront alors 3 mois pour formuler leurs propositions. La DGA passera alors à la phase d'expérimentation en vol en vue d'affiner son choix et de remettre un second cahier des charges aux équipementiers à l'été 2015. Automne 2015, les industriels donneraient leur proposition définitive à la DGA qui fera son choix final pour donner sa réponse fin 2015, mise en service prévue autour de 2017.